Salut tout le monde, amis de la bille, et bienvenue dans ce petit tuto comment transporter ces billes sans dans un sac sans que ça fasse les maracas. Donc, vous auriez besoin d'une bouteille d'eau vide. Ah, il reste de l'eau. Et voilà. Donc, d'une petite bouteille d'eau vide, de rivet, un élastique et une chaussette. Et bien sûr, deux billes. Donc, la première chose, on va prendre, hop, on prend la bouteille d'eau. Ah oui, et vous aurez besoin d'un couteau. On coupe. Voilà. On garde le dessus de la bouteille et bien sûr, bon, on prend mouchoir ou quoi que ce soit. Faites attention, les bords sont coupants. On nettoie pour enlever toute l'humidité. Voilà. Hop. Et voici, tout est nickel. Voilà. Première étape de fait, c'est garder le haut de la bouteille. Deuxième étape, moi, ce que je fais, c'est que de la chaussette, je la tourne pour ne pas avoir là le petit truc, la couture. Voilà. Puis, vous allez remplir votre chaussette de billes. Il y a beaucoup de billes. Voilà, donc là j'ai de la 0,25 bio. Donc on mettra après une étiquette, mais par la suite, hein. Voilà. Une fois que vous avez bien tassé les billes, vous allez rentrer votre eau de bouteille dans la chaussette. Hop. Vous allez essayer de bien le tasser, hein. Voilà. Hop, que ça passe pas par au-dessus. On tasse comme ça. Et avec un rivet, tac, nous allons serrer au niveau juste, vous voyez. Je vais vous montrer par l'intérieur. Voilà, on va coincer juste au-dessus ici. Donc, hop, voilà. Voilà, pour que ça reparte pas. Donc, tac, voilà. On ne serre pas encore. Voilà, une fois qu'on a bien calé le truc, on serre au maximum. Voilà. Ne vous inquiétez pas, s'il y a du jeu, vous allez voir. Pourquoi on va prendre un élastique. Voilà. Donc, voilà, on serre bien. Voilà. Et, hop, avec le reste de la chaussette, bien sûr. Bon, on coupera ça par la suite. Hop, excusez-moi. Et voilà, j'ai remis le col plus ou moins. Voilà. Donc on coupera bien, on serrera bien. Voilà. Et pourquoi un élastique? Tout simplement, vous retournez votre bouteille. Tac. Voilà, on fait descendre et on met l'élastique en dessous ici. Hop là. Voilà. Comme ça nous sert pour, voyez, pour pas que ça fasse trop de bruit. Et une fois que c'est bon, voyez, ah, là ça joue un peu de maracas, donc on le remet à l'envers et on pousse l'élastique
jusqu'à tout ça soit bien serré et que ça fasse pas de bruit. Voilà à quoi va servir l'élastique. À bien, voilà, à bien tasser. Et ça fait moins de bruit dans le sac. Et quand vous avez besoin de vous servir, tac, hop, là je prends. Voilà. Hop, on rebouche. Hop. Il y a des petites billes qui sont passées par au-dessus du truc. Et hop, vous voyez, par en dessous, comme d'hab, on tasse. Voilà. Pour qu'il y ait moins de jeu possible. Et voilà comment on transporte ces billes sans que ça fasse. Mais à moindre bruit. Après, ce qu'on peut aussi faire, c'est une fois qu'on a coupé, voilà, je vais remettre comme ça pour bien couper, bien serrer. Après, on peut juste vraiment jouer avec juste à la découpe, vraiment bien rasé au niveau du goulot, vous voyez, pour avoir le minimum de plastique, mais avoir quand même le haut pour passer le rivet. Voilà, bien serré. Bon, je couperai. J'espère que ce petit tuto pour comment transporter des billes silencieuses lors d'une OP ou quoi que ce soit, hein, même lors de partie, vous a plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Donc à demain pour d'autres vidéos. Allez, c'était Caméléon et je vous dis à très bientôt.